Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ben, il faut aider un peu les gens qui ont été l'instrument du diable, les gens qui ont laissé le diable les utiliser. Et ben, je suis là pour aider aujourd'hui. Ok? Dans ce que je vais dire, vous allez connaître le caractère de Dieu et reconnaître au moins pourquoi le diable vous a utilisé, pourquoi vous avez été un instrument du diable, parce que Dieu, il est vraiment bon et il ne force personne. C'est là où ce que tu aimes là, il ne va pas te forcer. Donc, je vais parler des instruments. Ceux qui ont été instruments du diable, comment faire pour ne plus être un instrument du diable? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut rejeter? Et vous pouvez faire une prière et ben, je vais faire cette prière-là après. Ben, si j'oublie de faire la prière, ben, je vais, en tout cas, on verra parce que je dois parler. Ce message, ceux qui ne veulent plus être les instruments du diable, et je vais continuer parce que le vrai message, c'est comment le diable... le vrai message, ben, je vais emmener le vrai message après parce que ça va être deux messages, mais je ne vais pas être long sur le côté de celui qui a été un instrument du diable, celui qui a été utilisé par le diable et qui veut... Qui décide de ne plus être un instrument du diable, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, le diable, il ne force pas les gens. Non. Le diable, il ne force pas les gens. Le diable, tu utilises lorsque tu lui donnes l'autorité, lorsque tu lui donnes la permission, lorsque tu cèdes. Ok, lorsque tu as cédé au diable, donc je vais vous montrer ce qui fait que on cède au fait au diable. Et hier j'étais là et ben, je souriais un peu parce que je me suis dit ben c'est vraiment mes expériences que Dieu est en train d'utiliser. Ben, j'ai souri et puis parce que l'Esprit de Dieu m'a dit très longtemps, Chantal, parle de ce que tu as vécu, toutes tes expériences. Alors, lorsque je pensais, je me disais, ben, il y a des gens qui ont été, que le diable a utilisé comme instrument. Et ces gens-là, aujourd'hui, regrettent. Ben, je veux les aider, je veux les apporter une de ces paroles pour vraiment les aider parce que je ne dis pas que moi, j'ai été parfaite, non. À un moment donné, le diable m'a utilisé, mais ça n'a pas duré. C'est pas long. Mais il y a des gens que c'est tout le temps eux que le diable, ils sont, c'est tout le temps eux là, quand le diable a besoin d'eux, il met la main dessus, il leur dit, va faire ça, c'est automatique, ils le font. Et ces gens, aujourd'hui, je vois d'autres personnes qui regrettent. Et ben je veux les aider. Moi, par exemple, pourquoi le diable ne... Ben, il m'a utilisé pendant un moment. Je ne dis pas que je suis née parfaite. Parfaite, parce que la parole dit que c'est Dieu seul qui est parfait. Donc, je ne suis pas là pour me glorifier, pour dire, moi, je suis la parfaite. Non, je ne dis pas ça. Dans mes vidéos, je ne dis jamais que... Mais je dis, je parle de ce que j'ai vécu. Et ben je ne suis pas la parfaite. Ok? Et pourquoi le diable n'a pas pu m'utiliser comme il a utilisé les autres personnes, dont je veux un peu faire la différence pour que les gens là se retrouvent et pour qu'ils puissent quitter, pour ne plus qu'ils cèdent au diable, au fait. Donc, pourquoi le diable ne m'a pas utilisé comme il a utilisé les autres? Parce que les autres, là, c'est comme son mouchoir, là, il prend, s'il veut se moucher, là, c'est facile, il prend et puis, ben, il les utilise facilement. Ben, à l'âge de 6 ans d'abord, parce que moi je suis différent, ok? Je suis née pour la gloire de Dieu.
je suis choisi, je suis élu de Dieu avant ma naissance, avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, avant la création du monde, je fais partie du choix de Dieu. Ok? Donc, à l'âge de 6 ans d'abord, on m'a dit qui est le diable et on m'a dit qui est Jésus-Christ. Ok? Donc, je devais faire un choix. Donc, à l'âge de 6 ans, lorsqu'on m'a dit que Jésus est bon, le diable, il est méchant, il est mauvais, j'ai fait un choix là. J'ai détesté le diable. Ok? Donc, à l'âge de 6 ans, mon cœur a rejeté le diable. Mon cœur n'a pas aimé le diable. C'est ça la différence. Mon cœur l'a rejeté. Mon cœur l'a détesté. Je n'ai pas aimé. Parce que après, lorsqu'on m'a annoncé cette nouvelle, j'ai glorifié Dieu à l'âge de 6 ans. Oui, je l'ai détesté. J'écrasais le diable. Oui, je disais. Parce qu'il y avait des musiques qui disaient de l'écraser. Dans mon cœur, là, je ne l'aimais pas. Je n'ai jamais aimé le diable. Ok? Donc, Dieu était dans l'obligation de me protéger, même après ça. Parce que je ne connaissais pas le diable. Je l'ai détesté, je l'ai rejeté. Je ne le connaissais pas. Donc, Dieu était dans l'obligation pendant d'autres occasions, dans les endroits où moi j'ai cédé au diable sans me rendre compte, j'avais de l'aide de Dieu. Dieu, il a toujours amené quelqu'un pour m'aider. Ok? Pour me dire, Chantal, le chemin que tu as pris là, la voie là, ce n'est pas pour moi. Et c'est la voie du méchant qu'on t'avait dit lorsque tu avais 6 ans. C'est cette voie là, Chantal. Et puis là, j'ai dit non, je me retire. Et je vais vous expliquer pour que ça puisse aider les gens. Ok? Parce que si je ne donne pas les... Si je n'explique pas là, peut-être ça va. Je vais expliquer puis je vais aller vite dans mes messages là. Parce que je dois aller vite, vite. Ok? Donc, j'étais une personne, j'étais en Afrique. Et puis, je prépare. Et j'ai des amis. Quand ils savent que c'est Chantal qui prépare aujourd'hui, ils savent qu'ils vont manger, ok? Ils sont contents parce que moi, je n'étais pas mauvaise. Mon cœur n'était pas mauvais, ok? Donc, dans ces situations comme ça, lorsque tu te trompes, Dieu t'aide, ok? Mon cœur n'était pas mauvais, ok? Donc, quand je prépare, mes amis mangent. Donc, j'ai été tentée une fois. Il y a quelqu'un qui est venu loger avec nous, moi et ma soeur, lorsqu'on prépare là, nos amis là, ils sont contents. Lorsqu'on prépare et ils passent, parce qu'on n'habite pas ensemble, ils sont de l'autre côté, ils voient que nous on est en train de, et ils sont en joie là-bas. Parce qu'ils savent que si on a préparé, ils vont manger parce qu'on garde pour nos amis. Ben, il y avait quelqu'un qui est venu loger avec nous qui n'a pas aimé ça. Elle a vu que la personne est venue. La personne est rentrée, il nous a dit bonjour, il était joyeux, et ben il est parti. Ok, donc elle était méchante. Ok, donc elle n'aime pas partager. Donc cette personne nous a parlé lorsqu'elle a vu que la personne était intéressée à la nourriture qu'on faisait. Alors elle nous a parlé, elle nous a dit vous savez, la nourriture n'est pas beaucoup et puis vous allez partager et puis ça ne va pas suffire. Donc, c'est qu'on va faire, on n'a qu'à manger vite, vite, il ne faut pas, on va laisser pour les autres. Oh Seigneur, on n'a qu'à manger vite, vite et puis il ne faut pas, on va laisser pour les autres. Et le jour là, on a écouté cette personne là, on a été méchant, vous avez compris. Lorsque j'avais 6 ans, on m'a dit le diable il est méchant. Ok, donc vous vous rappelez de ce que je suis en train de passer, je n'aimais pas la méchanceté. Donc on a été méchante, mauvaise. Donc on a accepté ce que l'autre a dit et on a posé un acte de méchanceté. Et après, pour que Dieu me rappelle, Chantal, non, ce que tu faisais avant c'est bon, c'est ce qu'elle t'a dit là, c'est mauvais là. Voici ce qui s'est passé parce que Dieu essaie toujours de me ramener le bon chemin, sur la bonne voie. Ok? Donc, ce qui s'est passé,
Ben, je me suis pas endormie comme ça. Dieu m'a réveillée en envoyant la personne que j'ai été méchante avec elle. Donc, la personne, tout le temps, nous, on prépare, nous, on n'avait pas ça. Donc, là, l'autre personne qui est venue nous parler, elle était mauvaise, elle était méchante. Donc, on ne devait pas prendre ce qu'elle nous a dit. Alors, la personne, lorsqu'on a fait ça, après le jeûne, il est venu, il dit, il était content comme ça, il est venu. Il dit, Chantal, je suis venu manger. Et j'ai dit, ah, on n'a pas gardé pour toi. Et il a dit, oh Chantal, j'avais faim. Et lorsque j'étais vue en train de, vous voyez les paroles là, j'avais faim Chantal. Lorsque j'étais vue en train de préparer, j'étais content parce que je me suis dit, Chantal, aujourd'hui je vais manger. Et là, c'est ce que vous avez fait. Et là, j'étais abattue. J'étais attristée. Et c'est comme ça que Dieu m'a toujours aidée. C'est comme ça que Dieu m'a toujours réveillée pour dire, Chantal, ton cœur là, ce que tu fais là, ce que tu faisais avant là, il faut faire, ne te laisse pas tromper. Et je me suis excusée, j'ai dit, pardonne-moi, je ne vais plus faire ça là. J'ai dit, pardonne-moi. Et alors, je me suis dit, cette femme là, je ne vais plus jamais l'écouter. Je vais continuer de faire ce que je fais aux gens. Vous avez compris. Donc, c'est un peu ça. J'ai eu mal ce jour-là parce que c'est un ami que j'aimais. Et voir qu'il a, lui, là, j'ai mangé et puis lui, il avait faim. Donc, je ne voulais pas faire ça là à un de mes amis. Donc, j'ai eu mal ce jour-là. Donc, c'est comme ça, Dieu, chaque fois, quand je me trompe, Dieu, il amène quelqu'un comme ça pour me dire, non, Chantal, ne fais pas ça là aux gens. Ce n'est pas moi, ça c'est le diable. Ok, donc c'est un peu ça. Et c'est comme ça, ma vie, lorsque j'étais, ben, ça, j'ai été tentée, c'est quelque chose que je n'ai pas reconnu. Ben, Dieu amène quelqu'un pour m'aider, pour me mettre sur la bonne voie. Et voici ce qui se passe dans la vie des gens. J'étais chez les gens avant. Et alors, la dame, ben, c'est elle qui était là comme la dame de la maison, ok? Donc, elle m'amène, c'est comme si elle-même, ok? Mais les autres qui habitent dans la maison, là, elle ne les aimait pas. Donc, elle me disait, le savon là, ça sentait bon, c'est les savons qui sont vraiment des savons de qualité, de bonnes odeurs. Ok, donc c'est comme ça. Et elle me dit, ben on allait ensemble, on a fait les achats, on est venu, le savon, la pommade. Elle me dit, Chantal, il faut les cacher. Lorsque tu finis de te laver là, cache le savon, cache la pommade. Les deux hommes là, faut pas ils vont utiliser. Elle m'a dit ça. Moi je n'ai pas fait. Ok, je ne l'ai même pas écouté. C'était comme elle a parlé, c'est rentré ici, c'est sorti là. Et après, elle est étonnée de voir que ben, je laisse le savon. Pourquoi je vais faire du mal aux gens qui ne m'ont rien fait? Même s'ils m'ont fait. Non, non, non. Moi, ça là seulement, je n'ai pas. Vous voyez, c'est comme elle est venue me tenter. Et moi, j'ai résisté à la tentation, j'ai rejeté. Ok? Ces gens-là aujourd'hui. Il y a un qui est populaire, ok? Il y a un qui est vraiment populaire, il est bien placé aujourd'hui. On se parle, si j'avais posé des actes de méchanceté, il m'appelle, il me dit, Chantal, oh, j'ai une grande maison, même si tu veux venir, même il est en Europe là-bas, viens, pour pas louer l'autre, viens chez moi, vous voyez? Donc, en tout cas, elle a fait ça plusieurs fois là, mais moi, j'ai toujours rejeté. J'ai toujours résisté, ça j'ai résisté à ça, mais l'autre je n'ai pas pu. Ok, je ne savais pas, peut-être j'avais faim, je ne sais pas. Ok, donc c'est un peu ça. Et c'est la même chose. Il y a un homme encore qui est venu devant moi qui me dit, oh oui, toi tu travailles dur, pourquoi? L'autre ne fait rien, il faut pas travailler, il faut laisser tout, l'autre doit faire. Je ne l'ai pas écouté. J'ai fait
c'est que j'ai fait mon travail. Je ne l'ai pas écouté. Donc, c'est des choses qui vont venir à vous là. C'est à vous de rejeter, résister à cela. Il y a une autre copine qui m'a dit, ben, toi tu travailles dur ici, au travail, c'est ma copine. Oui, c'est ma copine qui me parlait comme ça. Fais comme moi, moi je ne fous rien, on me paye. Et je fais semblant de travailler et je ne travaille pas. Je lui ai dit, ben, toi tu es comme ça, moi je suis différent. Ton nom est différent, mon nom est différent. On voit ici au travail que je suis courageuse. Je ne veux pas te ressembler, je ne veux pas faire comme toi. Souvent, on travaille, si elle n'a pas fini, on prend pour elle, on m'amène, mais ce n'est pas grave. Moi, je continue de faire parce que je veux travailler honnêtement. Donc, je ne l'ai pas écouté. Donc, c'est ça. Ok? Si vous aimez le mal, si vous a... le diable, quand j'ai commencé, j'ai dit, le diable ne force pas les gens. Vous avez vu ce que je viens de dire? On ne m'a pas forcé, eux, ils parlent. On ne te force pas là. On te parle. Si tu ne veux pas être instrument du mal, tu ne vas pas l'être. Il faut rejeter ce qui vient à toi. Par exemple, je donne des exemples pour aider. Si moi j'ai des enfants et toi tu vis chez moi, et il y a une personne dehors là-bas qui te dit, frappe les enfants de Chantal. Tu vas les frapper. La personne t'a parlé, elle ne t'a pas obligé. Elle t'a tenté. Ok, parce que la personne déteste Chantal. Elle dit, frappe ses enfants qui sont à la maison. Est-ce que Chantal t'a fait du mal? Non. Tu as écouté la personne qui te dit, frappe les enfants de Chantal. Et toi, tu frappes les enfants de Chantal. Tu es en train de poser un acte de mal. Tu es en train d'être un instrument du mal. Ok? Parce que le diable est en train de chercher les moyens pour combattre quelqu'un. Et alors, il passe par les gens qui acceptent. Ok? Si tu as accepté d'être un instrument du mal, ben, Dieu te laisse. Moi, dans mon cas, parce que mon cœur a rejeté le mal lorsque j'avais 6 ans. Mon cœur n'aimait pas. Donc, il y a des occasions, par exemple, lorsque la femme m'a parlé. Ça, j'ai été tentée, je ne savais pas. Ah, c'est pour cela que Dieu m'a aidée. Mais si tu es contente de faire ce que tu es en train de faire, si ça te plaît, alors Dieu ne t'aide pas. C'est le caractère de Dieu. Il t'aide lorsque tu es inconscient. Il t'aide lorsque tu ne sais pas ce que tu fais. Mais si tu sais que c'est un mal et toi tu aimes ça, il te laisse dedans. Ok? Donc c'est ça. Tu veux quitter, tu ne veux pas être un instrument de mal. Ce que je peux te dire, décide aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas être un instrument du mal depuis que je suis née là. Le diable ne me fait que utiliser, le diable ne me fait que me prendre et faire ce qu'il veut avec moi. Je ne veux plus être cette personne-là. Je veux te glorifier, je veux être un instrument de bien, Seigneur. Aide-moi à être un instrument de bien, aide-moi à te servir. Je ne veux plus servir le diable. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Sois béni, c'est un peu mon message. L'autre message, ça c'est déjà long, donc je vais faire l'autre message ailleurs. À part, ok. Bye, c'est un peu ça là. Le diable, il ne force pas les gens. Si tu as accepté, il va t'utiliser. Si tu le rejettes, il s'en va. Ok. Il ne force pas les gens. Ok. Donc c'est un peu ça. Bye.